Je m'appelle Anne-Marise Lavoie. Je suis professeure titulaire à l'École des sciences infirmières à l'Université Laurentienne. Depuis 7 ans, nous donnons la maîtrise en sciences infirmières avec Thèse. Cependant, à partir de 2021, nous allons offrir la maîtrise en pratique avancée en sciences infirmières. C'est un diplôme d'études supérieures seulement à base de cours, comme une alternative à l'option traditionnelle de thèse de recherche. Ce nouveau programme se donnera entièrement en ligne, à distance. La qualité de l'encadrement professoral des étudiants à la maîtrise est exceptionnelle parce que les professeurs de l'École des sciences infirmières enseignent les cours à la maîtrise, possèdent tous des PhD, c'est-à-dire des doctorats, et une expertise variée dans plusieurs domaines en sciences infirmières. De plus, nous avons une expérience de plus de 20 ans de formation à distance. Les professeurs sont habitués à accompagner les étudiants en ligne et à répondre à leurs besoins. C'est une grande force parce que nous avons, depuis la vingtaine d'années, la formation de baccalauréat en sciences infirmières post-diplôme. Les avantages de la maîtrise en sciences infirmières, c'est que les étudiants vont acquérir en cours de formation des notions en recherche, bien sûr, en épidémiologie, en justice sociale, en théorie infirmière, en leadership, en santé rurale et bien sûr en pratique avancée. À l'intérieur des cours, elles vont analyser des situations complexes et en concevoir des solutions, développer de nouvelles habiletés et compétences et par la suite, ils vont, ce qui est le plus important, appliquer leurs connaissances sur leur terrain à l'aide de projets d'envergure en sciences infirmières. Ce programme permet aux étudiants d'élargir leurs horizons tout azimuts. À la fin de la formation, les possibilités de travail sont multiples. Il y a consultante, éducatrice, agent de liaison, experte en solution de problèmes, responsable des projets spéciaux, monitrice en pratique de soins, enseignante clinique et cadre en différents secteurs de la santé, comme infirmière-chef, comme coordonnatrice en soins infirmiers, comme directrice des soins. Elles sont appelées à partager leurs connaissances avec les professionnels de la santé, les praticiens aussi, et les différents partenaires des services.